Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule pour une petite explication sur le tarot, la sagesse des anges, qui est un magnifique tarot de Valentine Radlegg. On y retrouve la structure de base, n'est-ce pas, en 5 suites, et les deux sections principales qui sont appelées arcane mineur et arcane majeur, mais ça vous connaissez déjà. Alors, petite question, savez-vous ce que signifie le mot arcane? Eh bien, cela signifie mystère. On parle ici des moyens miraculeux et mystérieux par lesquels, l'univers apporte de la magie dans nos vies, n'est-ce pas? Et les arcanes majeurs forment à eux seuls une suite composée de 22 cartes, où certains appellent aussi des lames et qui se concentrent plutôt sur les événements majeurs de la vie. Et nous avons les arcanes mineurs qui se composent de 4 suites, comme dans le tarot ordinaire, n'est-ce pas? Et les arcanes mineurs ont tendance, à refléter les activités au quotidien de la vie. Traditionnellement, les suites des arcanes mineurs sont appelées bâton, coupe, épée et denier. Ici, Valentine a remplacé les anciens noms par les 4 éléments, c'est-à-dire le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Et chaque suite est composée de 10 cartes numérotées de l'as au 10 et de 4 cartes habillées qui sont évidemment les valets, cavaliers, dames et rois. Et chacune fait référence à une personne, une situation ou bien vous-même, n'est-ce pas? Chaque suite a des domaines particuliers. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Par contre, la suite d'eau est liée, elle, aux émotions et à l'intuition. La suite d'air, elle est pour sa part associée à l'intellect et elle peut également refléter nos inquiétudes et nos peurs. Le mental ayant souvent un esprit tendance à se concentrer sur le négatif, n'est-ce pas? Certains d'entre vous vont se reconnaître. Et enfin, on a la suite de terre qui parle des aspects matériels de l'existence, comme l'état des finances ou les moyens de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de la famille. La particularité de ce tarot est que chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non, n'est-ce pas, sur l'image. Et sur les arcanes mineurs apparaît un numéro qui représente l'arcane majeur du tarot. Voilà cette petite explication. Prenez soin de vous dans la douceur. À tout bientôt. Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message des anges de cette semaine. Nous sommes le vendredi 5 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer la petite philosophie du matin, pourquoi remettre à plus tard la possibilité d'être heureux? Ah, ça c'est une belle pensée positive, n'est-ce pas? Pourquoi remettre à plus tard la possibilité d'être heureux?
Aujourd'hui, j'ai pigé le 8 de feu. Nous sommes toujours dans la catégorie de la suite de feu. Et dans le tarot traditionnel, eh bien, c'est la suite des bâtons. Encore une fois, ben, la suite de feu représente les aspects de la vie qui nous passionnent et nous enthousiasment. Et puis, c'est l'archange Métatron. Et cette carte, eh bien, elle indique que c'est une carte qui représente le chariot, donc qui fait suite au chariot. Tandis que je regarde. Voilà, elle, oui, elle se rapporte au chariot. Dans les lames majeures, n'est-ce pas? Du tarot traditionnel. Le 8 de feu. Eh bien, pour certains d'entre vous, il se passe beaucoup de choses dans votre vie. Et si ce n'est pas encore le cas, cela ne va pas tarder. Alors, avec cette carte que j'ai pigée, il y a souvent plusieurs nouvelles très positives qui arrivent d'un coup. Alors, vous allez me dire, c'est fantastique. Mais oui, c'est fantastique. Mais cela peut quand même s'avérer stressant. On peut se sentir exalté, pris dans une sorte de frénésie, mais aussi un peu dépassé par les événements, car tout cela arrive vite, trop vite, et souvent de manière inattendue. Donc, on n'a pas le temps de faire face à tout cela. On vous invite à donner la priorité à ce qui est le plus important pour l'instant. Qu'est-ce qui est le plus important présentement pour vous? Alors si vous ne le savez pas et que vous hésitez, demandez de l'aide à vos anges et à d'autres personnes. Et peut-être déléguer ce que vous pouvez. Alors, cette lame, elle peut aussi indiquer que vous faites plusieurs choses en même temps, comme par enchantement, tel un sorcier, et que vous devriez poursuivre ce beau travail. Peut-être que vous faites trop de choses en même temps et que vous vous éparpillez. Attention de ne pas vous éparpiller. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être, il peut avoir un changement inattendu, un succès inattendu. Vous pourriez peut-être aussi, pour certains d'entre vous, faire un voyage d'affaires. On vous demande aussi d'avoir confiance en vous. Il y a avec cet arcane un changement. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, qui vont changer, et peut-être que ça va aller trop vite pour vous, donc soyez bien à l'aise pour accepter ce qui s'en vient et peut-être mettre des priorités à ce qui s'en vient, parce qu'il va y avoir peut-être des événements ou des changements qui vont être trop rapides. Et peut-être que ces changements et ces événements qui sont arrivés rapidement dans votre vie, eh bien, vous n'aviez pas vu venir ces changements et ces événements. Donc, voilà, on vous prévient avec cet arcane. Encore une fois, tous les tarots n'ont pas la science infuse, n'est-ce pas? Mais il vous donne des pistes. Chaque arcane vous donne une piste sur
par exemple, sur ce que vous vivez dans les domaines différents, n'est-ce pas? Alors, je vous ai dit au début que cette carte, eh bien, elle représentait elle se rapporte à la lame, à l'arcane du chariot dans le tarot traditionnel. Et le chariot, il indique, eh bien, que votre détermination et vos efforts seront couronnés d'un grand succès. Et encore une fois, l'archange Métatron vous aidera à vous protéger du stress et des scènes de votre entourage. N'oubliez pas de demander son aide si vous avez un doute, s'il y a les changements qui arrivent trop rapides, que vous ne vous y attendiez pas, que vous n'aviez pas vu venir. Eh bien, demandez à Métatron de faire un petit nettoyage dans tout ça et de mettre les choses en priorité, de vous indiquer ce qui est prioritaire et sur ce qui est moins important. En tous les cas, l'archange Métatron, si vous le sollicitez, il viendra à vous et il vous donnera des signes, eh bien, pour faire au mieux dans votre vie, n'est-ce pas? Et demandez aussi à votre ange gardien de vous éclairer de sur quoi vous devez savoir sur telle ou telle chose. C'est important de demander, il ne faut pas avoir honte. Mais si vous ne les sollicitez pas, ils ne viendront pas à vous encore une fois, n'est-ce pas? Alors cette carte, eh bien, il va donc, voilà, ça dit bien ce que il va avoir beaucoup de choses qui vont changer. Et c'est des, vous allez peut-être aussi avoir du stress qui sera causé par de nombreuses opportunités positives. Cette carte, elle représente vraiment des événements inattendus ou des changements rapides. Soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour prendre ce qu'il s'en vient. Et encore une fois, je me répète, ce qui est dans la priorité à l'heure actuelle pour vous. C'est une carte qui est très 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 positive, n'est-ce pas? Et c'est bien, on termine avec une bonne note cette semaine. Et je termine avec l'affirmation positive. Je sais que je ne suis pas parfait, parfaite, et c'est ok. Mais nous ne sommes encore que des êtres humains, et nous ne sommes pas parfaits. Parce que si nous étions parfaits, nous serions des anges. Donc voilà, je sais que je ne suis pas parfait, parfaite, et c'est ok, mais on essaye au mieux, eh bien, d'être le plus parfait possible, n'est-ce pas? Allez, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous souhaite un excellent week-end, dans l'amour, dans la joie, le rire, la tolérance, l'empathie, la bienveillance, l'amour inconditionnel. Et puis, on se retrouve dans une prochaine capsule. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très vite.